Entrez. Yé. Yeah. T'as qu'à quand, toi, dedans? Ah, salut, Billet. Oui, on m'a dit que tu voulais venir me faire chier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai bien cru en revoir votre festival du rire. Hein? Tu veux que je t'explique l'histoire des sauvés du rire, d'arrête? Bah oui, l'histoire, hein, Dieu. Ouais, une longue histoire. Oui, tout commence dans la commune de Berck, dans le Nord. Oui, Chantal qui travaille à la poste est mutée au pays d'Arèche Beaufort. Elle quitte le Baroual pour le Beaufort, hein? Ça sent beaucoup moins, mais c'est les fadas. Alors, le matin même, elle prend sa mobilette et d'une seule traite, elle rejoint le pays d'Arèche Beaufort. Ah, et là, sur le parvis de la poste, l'attendent ses futurs collègues. Les égés de poste. Des malades. C'est des malades. Des malades. On peut dire que le premier contact fut le bon. Oh, shit! Hé, ça va les biloutes? Après ce premier contact, les EZ Postes décident de l'envoyer au contact de la population arrechoise. Oui, c'est le soir même qu'elle découvre les gens du comité des fêtes d'Arèche. Les fadas, c'est des fadas. Pire que les châteaux, c'est des fadas, c'est des fadas. Ah, après avoir ingurgité plusieurs litres de génépi, la pauvre s'est retrouvée complètement défoncée. Résultat, 9 mois plus tard, elle se retrouve avec un petit ch'ti dans le tiroir. Qui c'est le père? Le problème, c'est que 9 mois plus tard, on savait même pas qui était le père de cette femme. C'est un peu la Rachida Dati arachoise, si tu veux, hein? Oh là là! Figure-toi que pendant des mois, elle a caché sa grossesse aux gens d'Arèche. Non! Et que dit-on? Les espaces sont accouchés dans une étable. Personne n'a rien vu, c'est des malades. Maman. Le petit était trop laid. Ils l'ont jeté de la falaise. Ils l'ont abandonné dans la montagne. Il est mort. On sait pas. On sait pas ce qu'il est devenu. On sait pas.